Et les gens, bienvenue sur frappstage.fr ou sur mon blog tisson3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Sleeping Dogs, donc sur PC. C'est parti pour un tour, on vient de récupérer une voiture. Fallait que j'appelle Jackie, c'était une nouvelle mission. Cher Jackie, répertoire, on s'arrête en plein milieu de la rue, c'est pas grave. À contresens, bien sûr, parce qu'on... Ah non, non, je suis dans le bon sens, en fait, c'est bon. Jackie, qu'est-ce qu'il va me dire de beau? Jackie, how's it going? Wait, man, good thing you called, man. I got something, man, this could be big for us. You still got that plan you were talking about? Yeah. You in? We could go tonight. Drop on my place and I'll tell you all about it. Oh, bring a car, okay? Mine's in the shop. Sachant qu'ils veulent l'embarquer... On y est. Bonny Wedges, encore une fois, merci pour le stream. Prends soin de toi. Et à la prochaine. Merci pour le stream. Merci pour le stream et le raid, en fait. Prends soin de toi, à la prochaine. Voilà, camarade. Un morceau de don de quoi? Ah, il y a la passion, je l'ai pas vu, la passion. Non, mais pardon, je fais ça par passion. Rien d'autre que de la passion. Un sweatshirt, ça pourrait être cool. Bubblehead, faudrait que je sculpte, j'ai pas ce qu'il faut. Un morceau de dent. Non, je veux pas, je viens de comprendre. Un goodies. Ou alors, faudrait que je découpe le mien, mais en tout petit morceau, de ces trucs fins que tu mets dans un petit film plastique. Tu dis, ceci est une partie de mon corps. Louez-le. Voilà. Vouez-lui un culte. Pardon. Ça dépend de la taille des morceaux, hein. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. I've never had that before. Whoa! Good. I haven't talked to her in a while. Come on, Jackie. She was your dream girl. Yeah, I know. But maybe when we're done this job, I'll give her one of the pieces. That's great, Jackie. You know, she'll love it. Just wait till it gets dark. Here, put this on. Yeah. Hey, wait. You ever think about what you're going to do after this? After what? All this. I mean, we're not exactly cut out for anything else. I guess not. You always have options, Jackie. You think so? I don't know, Way. I don't know. Ah, c'est ma gueule, ces dialogues sont coupés. What if it's locked? The problem, there are heavy-duty tools in the shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Meet me there when you have something to cut the lock. Le jeu vieillit très bien, je trouve. Allez, petite poche de taille 1-1. Bon, je suis plus ou moins obligé de passer devant eux. Tout va bien, je vous dis. Pas de soucis, on est des professionnels. On est des professionnels.
house up there and you're making way too much noise. If you don't shut the hell up, I'll have to slit your fucking throat. Oh, sorry. You won't hear me again. Ah, cette capacité de gestion du stress d'autrui. Si tu te tais pas, je te tue. Ok, je me tais. Ce serait pratique de faire ça avec n'importe qui, donc. Quoi, je me mets dans un environnement où il y aurait la mafia. Je dis, c'est pas la peine de jouer avec ma vie, je suis garde, mais ok. J'ai une meuleuse. Salut, graines givrées, comment vas-tu? Certi, ce en écrin de quiche. Oh, ce serait joli. Sur Epic Game, ouais, je suis dégoûté. J'ai poussé Herman à aller faire une demande de clé sur le service et en fait, ben, on l'a gratuit sur l'Epic Game, quoi. Plus rien ne t'étonne, c'est vrai ça? Quelle idée, c'est dégueulasse! Il y a des tas de choses qu'ils pouvaient garder, ils ont décidé de garder ça. Oui, j'avais compris ce que tu voulais dire. Pourquoi? Pardon. Okay, this thing should cut through any. Is anyone around? Yeah, man, a couple of 18K guys. Not armed, though. Let's go! Hey! What the fuck is going on? They don't go pop! Là pour nous, fouiller les camions. Shit, Jack, you sure they're here? Yes, trust me, okay? What the? Wait! They go get them, wait, fuck them! Non. T'es pas mort, hein. Ils ont signé Remedy, comment ça? Mais non, ils vont pas nous en faire sortir à chaque fois du garage. Ah, great work, man. We got him, Van Pokai. Wait, hold on, hold on, you come out. What the? Hey, thank you, you shit. Fuck, fuck, fuck. J'aime bien la moto, le mec il donne des petits coups d'accélérateur avant de partir. J'ai pas de moto, j'en ai jamais eu, donc je sais pas si c'est nécessaire de donner des coups d'accélérateur. Mais je trouve ça extrêmement bizarre. Je vais me tromper de route. Ah bon? Il se fait voir ça comme un tic de motard.
I wouldn't leave you, Jackie. I know. Damn way. No matter what happens, Jackie, I won't leave you behind. I'll always come back for you. Hey, thanks, Way. Wouldn't be here without you, man. I know it. I'll always appreciate it. I should be doing a better job getting you back. It's just not your fault, Way. I'm, you know, thinking about a lot of things. Rethinking them, maybe. But not our friendship. The bad things that have happened, they're my responsibility. I know that. Shit, Jack. It's okay, Way. You don't gotta say anything. Friends, man. Friends. Oh punaise, j'aime pas ce genre de situation. Toi t'es là pour le boulot, lui, lui il est là parce qu'il fait partie des triades. Il y a forcément un moment où tu vas être le traître en fait à ses yeux. J'appréhende grandement la situation quand ça va arriver. C'est vrai? Moi je pourrais pas en fait. C'est-à-dire, mon pote est en train de se faire enlever. Allez, vas-y, un ou deux petits bruits de l'accélérateur comme ça, ça fait du bien. Ben non. D'abord, on va chercher le pote et après un bruit d'accélérateur si tu veux, mais pas avant. Ça passe par en bas. Ouais, mais c'est pas le moment de l'écouter. Là, tu montes sur la moto, tu vroumes et puis après c'est bon, c'est fini, il faut que tu rattrapes ton pote. Bah niveau 6, ça ralentit tellement. Bah non, même pas niveau 6. J'aime pas cette cinématique. Don't move! You're under arrest! Where are the others? It's just me, boys. Just me. Andrew, you piece of shit. Fun save, poke guy. Trahison. Terminé ta casse sur les quais. Ricky. C'est Ricky. Donc nous retiendrons que Pandrou est un... Pardon, comment on dit? Bah le pote passe après le moteur. Le pote passe après le moteur. Bonne nuit Chris, fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci beaucoup d'être passé encore une fois. Et à la prochaine, tout simplement. Ciao, bisous. J'adore ce jeu. Stalker et batteur de moine, c'est ça. Ricky ou la belle vie? Comment ça, Ricky ou la belle vie? C'est quoi, ça leur sort d'où? Et que lui, c'est un méchant. C'est mon pote. Un pote-pote, on laisse tranquille. Sois intensif. Répertoire, on n'a rien de plus. Ça me plaît pas tout ça. Ça me plaît pas. J'irai bien jusqu'au parking là-bas, tant pis ça fait marcher un petit peu. Les Trianes, il y a une mafia bretonne, sérieux? Qu'est-ce qu'ils font? Des gâteaux? Des sablés? Je suis en train de me dire que j'ai plus d'eau quasiment. C'est vrai que j'ai oublié de remplir les bouteilles, je crois. Bon, c'est-à-dire que j'ai rempli les deux. Non, j'ai oublié de les remplir. Ah mais j'ai pas regardé le club de Dorothée. Vandal. Le post-it. Es-tu sûr de vouloir jouer à ce petit jeu?
Archibald, il est parti se coucher. C'est que je l'ai raté encore. Parce que d'habitude, à cette heure-ci, il est parti déjà. Ou alors j'ai peut-être déjà dit bonne nuit, je m'en souviens plus. Je vais me sentir bête s'il est parti déjà depuis longtemps et que... Ah, fais-je trompe, on l'a pas gagné la voiture. Ah bah non, c'est pas le souci, c'est juste que j'avais pas le droit. Regardez le club Dorothée, c'est comme ça. Balisé pour rien, ras la saleté. Comment ça se fait que tu sois pas couché, toi? Au moins ça me rassure, pour une fois, c'est-à-dire que j'ai pas raté le message. Pas d'accident, pas d'accident. Dans ma voiture banalisée, je ne reconnais plus personne en voiture balisée. Zé, zé, zé. Je ne reconnais plus personne en voiture balisée. Zé, zé, zé. Je suis un infiltré. Et je vais tous les dénoncer. Non, Noz. Ça ne se fait pas, ça. Tu es un nain passé au filtre, comment ça? Un infiltré. Mais oui! Je lis, Nico, je lis. J'appuie sur le starter. Et voilà que je quitte la terre. Bonjour Darky. Il s'est passé une chose horrible tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit que je mangeais du comté alors que j'étais en train de manger du Cantal. C'est honteux. Par hasard, fallait pas que je prenne la sortie là. Je sais plus. Ah, c'est des pompons, moi je m'en fous. C'est rassurant, Archie. Comment ça on parle de toi là? Par rapport à quoi? Ah, raté, Mister Noz, raté!
Mais ce que je fais ne sert à rien. Ils se sont dit à quel moment que c'était cool comme idée. Ben moi je veux bien faire quelque chose, mais j'ignore totalement comment ils ont pu faire rentrer la voiture de cette façon là. Y'a pas un véhicule plus simple? Comment il klaxonne comme si ma voiture était en plein milieu là? Attends, c'est bon, regarde. Et si je me bouge un petit peu d'ici? Je suis même pas là. On va aller voir le truc qui a plus loin quand même. Le mec qui est dans la voiture. Attendez, qu'est-ce que j'ai raté? Coucou Bazarel! Comment vas-tu? Monster raclette tartiflette et quand j'ai les moyens de l'abondance. Donc tous les fromages type Gouda, Miamolette, c'est des fromages sans goût et sans saveur. Bah, tant pis monsieur, hein, désolé. Vous allez mourir dans ce coffre. Malheureusement je peux pas y faire grand chose, de toute façon j'ai déjà tous mes points, donc au pire ça n'a aucun intérêt de venir vous sauver. Si ce n'est la bonne conscience, mais comme la voiture est posée n'importe comment, eh ben... Il y a le soleil dehors la journée. Je sais pas, je l'ai pas encore vu. J'appuie sur le starter. Et voilà que je quitte la terre. Mais non. Ah, parce que le mec il débarque avec le gyrophare. Voiture banalisée. C'est d'inefficacité. Allez, on y va. Elle roule bien quand même. Hein. Moi, par contre, c'est pas encore ça. Allez, vas-y, mission suivante. Dis-moi tout. Wait, get down here. Jesus, Ricky, what's happening? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Pope. Shit. Quand faut y aller, Gérard, faut y aller. Ça, c'est ma voiture banalisée. Mettez la sirène, ouin, 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 ouin. Nous allons rattraper tous ces méchants. Ou du moins essayer. C'est vrai que ce serait plutôt embêtant.
Et c'est là qu'on va comprendre que le mec de la police, en fait, Pendrew, est le patron des 18K. Et petit à petit, il essaie de faire tomber toute la... Tomber tous les scènes de Where the fuck is Uncle Paul? I don't know! Where the fuck is Uncle Paul? He's over there! Ok. Sûr, j'ai pas de flingue. S'il vous plaît, j'ai un million, c'est pas grave, j'ai un million sur moi, donc donnez-moi un petit peu de... Voilà, ça va aller mieux. J'aimerais bien avoir ce compte en banque quand même, un million. C'est pas rien, un million. Qui va s'occuper des scanners de ces paleurs du coup de l'IRM. Mister Nose, comment as-tu me faire ça à moi? Moi qui avais confiance en ta personne. Je suis KO dans une sale gueule comme pas possible. Vous allez me dire qu'on s'en fout, mais quand même. Si c'est pas moi, je me suis loupé. Ah oui, il y a marqué Wedgeus sur le clip. Il y a marqué Wedgeus sur le clip. Mais il s'est pas visé. T'es en plein dessus, le mec il tire quand même à côté quoi. Il me fait de la peine ce gars. Attendez, je reviens les gars. Il n'y a pas de barre de vie pour le personnage donc. Oh regardez, j'ai des traces de sang partout. Backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. All right, let's get the hall. Encore un petit coup. 30$ une canette quoi. T'imagines 30$. On vous avait dit qu'il fallait multiplier par 0,12, mais quand même. Il y a encore des gens vivants là-dedans. Allez, faut pirater, parfait. On y va.
J'appuie. Ah, mais c'est comme ça que ça se pirate. Ok. Aucun juice, ça commence bien. 4, 5, 6, 7. Ok. 8, 7, 6. Et le dernier, c'est forcément 9. Ok. C'est vrai, Krim ? C'est bien passé ? Vous allez pas me dire que c'est pas moi qui suis pas dessus là. Oh, enfin, je fasse le plein aussi. Hein. C'est bon, on y va? I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? Now, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings. Even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. Ils ont entendu quelque chose ou pas? More cops. Kendo, Kendo, Muyo. Ouais. S'il a eu le temps de terminer sa phrase. Oh, c'est moi qui conduis, c'est moi qui conduis. Donc le pot. Ah, je crois que je vais pouvoir sortir, je crois que je vais pouvoir sortir. Allez, 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 allez. Pas ce qu'il faut à première vue. Ah, ils m'ont rattrapé. Restez calmes, mesdames et messieurs, et tout se passera bien. Ça y est, c'est bon, je les ai. Je les ai. Niveau supplémentaire et paf! Je le savais, non, on n'est pas au bon endroit. J'ai pas compris. Tout est pareil. Mais justement, c'est marqué dessus, en gros, ça ne partira pas au lavage. Et je l'aime bien, moi, le truc comme ça.
Je trouve que c'est joli. Comme ça, s'il y a du vrai sang sur l'écran, enfin sur les vêtements, je veux dire, mais non, mais c'est un effet de style. Regardez sur les caméras avant la fusillade, après la fusillade, je suis habillé pareil. J'avais déjà du sang sur moi. C'est un effet de style. Allez au lit. Mais non. Je suis pas d'accord. T'as qu'à aller, toi, le jeu. Allez au lit. Je veux bien que j'aille m'écraser au moins. Est par là. Je crois que c'est ça. 41. C'est chez moi, ça. C'est chez moi. C'est chez moi. Non, mais il faut que je dorme. Avec mon beau costard de marié. Moi, je devrais être légèrement plus propre après. Voir. Faisons une sieste. Rêvons de choses bizarres. Tu vois, regarde, hop! Je suis un peu plus propre. Salut Scarab, comment vas-tu? Say it's Ian Young. I went by Batman Club looking for you. Who's Tiffany? You rat, you cheating pig. I can't believe I ever fell for you. I can't believe I let you do all those things. I will never forgive you. Never. Just don't even try. Just don't even bother. Okay? Okay, call me. Call me. Mais je peux pas l'appeler. Pourquoi je peux pas l'appeler? Ah, peut-être qu'il fallait que je fasse un choix dans le jeu. Moi, j'ai pris ça comme des missions, missions, tu vois. Genre, je suis policier infiltré, etc. Je pensais pas que c'était le côté relation du jeu. Je crois que je suis trop bête en fait depuis le début du jeu. Elle veut que je l'appelle mais je peux pas. Je voyais qu'il y avait des bonus à récupérer et tout. Moi je me suis dit c'est bon, vas-y fonce. Tout va bien. C'est des bonus. En fait non, elles font de la jalousie. Et du coup je fais comment moi maintenant? Bonne nuit Uni, fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci d'être passé. Allez, te rester un peu. À la prochaine, ciao, bisous. Papping a été sur cette rue-là, je crois. Mais du coup, c'est frustrant. Elles font de la jalousie. Mais, hein? J'ai pas trop compris, du coup. Ce qui s'est passé en fait là. Qui c'est cette Tiffany machin Donc c'est des relations. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une suite aux relations si j'en avais choisi qu'une seule. Et ils auraient pu prévenir quand même que c'était la relation du jeu. C'est bye bonne nuit normalement. Le seul qui permet de dire bonne nuit pour l'instant c'est bye bonne nuit. Attaché le bonne nuit. Je peux toujours pas l'appeler. Peut-être qu'il faut l'attendre qu'il fasse jour. On est où là? Ah, encore raté. Ah ouais, mais non, là, y'a pas de cœur là-dessus, c'est un peu... Attends, je le blanc juste après. Nah, man, I'm good. But we could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Sonny,
This is Wei. Wei? The infamous Sonny Woe. That's me. Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This is King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, it's gonna be hot, man. Wei here's the real deal. A bona fide tribe killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Okay. Wei, why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. I wish I could go with you players, but business calls. All right, cool, man. Yo, it was real nice to meet you, Sonny. Merci Guilhem, bienvenue parmi nous, bienvenue dans la bulle, installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. C'est parti, on y va. C'est ta ville, mec. Pom 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 pom. Bonne nuit les petits. Il y avait le deuxième. Pom 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 pom. Bonne nuit Papa Drave aussi. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao bisous. Ouais non mais c'est ça. En fait j'avais pas compris que c'était des romances dans le jeu. Je croyais que c'était des missions comme les autres. J'ai pas l'impression que ça m'a été précisé à un moment là. Peut-être que j'ai pas lu, que j'ai pas fait attention ou autre. J'avais bien compris qu'il s'amusait un peu mais pas au point que ça ait des conséquences, quoi. Buddy does good business, makes everyone a lot of money. As far as his personality goes, good to know we're on the same page. Fact is, you know, I got some other business to discuss. But I don't think my partner's back in the States would want to be in bed with that guy. What kind of business? I got friends, guys I grew up with. They got a real good import and retail thing. They could use a good Hong Kong in it. Access to that good Asian product, feel me? It's the reason I took the producing gig, was I heard Vivian and her label connections. They are. To me. Well then, I guess this is gonna be like one of them old school business meetings, where you show me around town and try to figure out if we're a good fit. Good evening, gentlemen. We'd like the VIP karaoke room. It's right this way. Yo, hold on. And don't tell me you and me are gonna sing to each other. I mean, I'm here for the local play, but not that low. Let me find us the right kind of art. Pardon, je t'ai poussé, c'est vrai, c'est pas gentil. I'm Wei. But listen, I saw you looking at my friend, and I figured you realize he's a famous American celebrity. And I just wanted to ask if you might be looking for something. How can I say no? If you're not doing anything, maybe I can buy you silence with a drink. Wanna join us? That's very nice of you. So you're from Russia? Yes. How's your guess? I'd call it a hunch. Oh, you? Est-ce que j'ai eu le choix là, tu vois? Here, have a seat. I'm gonna find a few more people to join us. Ah, j'ai pas le droit de les choisir, ok. You okay, man?
I'm son on me, motherfucker. Get out of here before I break every bone in your body. Oh, man, no. Sorry. I didn't go. Guys seem like you're getting a little pushy. We get to the work. You work here? Yes. You allowed to join the customers for a drink? Oh, that sounds nice. By the way, I'm Wei. I don't think I've seen you before. I'm Yuliana. Yeah, yeah. I usually don't come to places like this. I'm here for my friend. Well, if you ever want to hang out with places not like this, let me know. I'd like that. Can I call you? Thanks. Give me a call sometime. Damn, Wei. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly, too. How do you not know Hong Kong had beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men. Don't we, Tina? All right, Wei. Why don't you show us what you got? Arrête, on va faire du karaoké. I'll show you mine if you show me yours. Au secours. Je sais pas que je, j'aime bien le mini-jeu, mais... Pff, allez hop, on y va. Essayer d'être bon quand même, on sait jamais. Je sais pas, je dis ça, je me loupe. Pas fini encore, punaise. Elles sont longues. C'est fini. Est-ce que j'ai réussi? 100%! Allez! Bon, dans les dents! C'est moi le patron! Alors, t'es content? Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Ok. Town, least I can do. Yo, wait. Don't think I'll forget that, man. Come on, my people will like you, huh? You got the right fare. Too many motherfuckers think all you gotta do is jump back and wear the right colors. Business. Business. You gotta be in it with the right people. Yeah, I can see you fitting right in the States even. Yeah. If you ever want to change the scene. I'll keep that in mind. Je sens pas, il va y avoir de la baston. There you are. I've been
Stand back. Stand back? You crazy? This is icing on the fucking... Some nasty ass shit you got going on. Remind me not to fuck with you. Il y a une sacrée bagnole quand même, le mec, hein. Ah, plus crime. C'est Marcus. Je sais pas ce qu'il faut que je te fasse pour ça, Archie. Je sais pas, Rio, je connais rien. Bonne nuit, Archie. Fais de beaux rêves encore, merci, prends soin de toi, à la prochaine, ciao, bisous. Got some big ideas too. I'm talking all the legit shit their money goes into. Gotta go somewhere. You feel me? The feds back home are really cracking down. Brothers might be looking for a little offshore stash. Yeah. The man who set that up kept it safe. Yeah, he'd have a whole river of green to deal with. You feel me? I could swing that for you. I still got contacts stateside who could set up the other side of things. Nah, too much booze. I mean, look at Sonny Wolf. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the shots. You got a point. All right, here you go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. All right, man. Take care. T'as un sacré pif, hein, pour les sentir. J'en ai absolument aucune idée. Il y a des triades avec l'industrie musicale. Numéro d'Iliana, nouvelle chanson de karaoké. Donc c'est-à-dire que je peux essayer d'appeler Iliana. De toute façon, tous les autres me laissent tomber, donc bah, Iliana, on va l'appeler. Hello, Iliana? Yes, who is this? It's Wei. You gave me your number at K-Bar? I didn't expect you to actually call. Really? I'd like to hang out. Free? Yeah, I'm off work in a little while. Can you meet me at K-Bar? Yeah, sure. I'll see you there. See you. Des bonus, des bonus, des bonus. Ma voiture a patiné un petit peu, alors elle est où, elle? Le K-Bar, on y retourne. C'est là. Il te laisse la caisse. Je pense pas que les gens qui voyagent déplacent leur caisse avec eux, en fait. Tu vois, c'est un peu comme si tu voyageais aux États-Unis pendant 2 semaines et que tu faisais livrer ta caisse, sachant qu'il faut des mois pour qu'elle soit déplacée généralement. Ou alors faut réussir à la fois choper un avion spécial, machin chose. Quelle idée, Docteur Yes? Tu veux un coup de pelle? Quoi, Alchemy, c'est un passé. Hey there. Hey, you heading out? Yeah, I'm going for a run. I like to work up a good sweat now and then. You? You could talk me into it. Follow me. Let's see if you can keep up. Ah bon, madame, fais du basique, j'ai rebondi, quoi. Et si j'essaie de le plaquer? Au
Au moins, ça laisse penser qu'elle sait se défendre. C'est qu'elle te dit, bah alors, je suis flic infiltré. Et toi? Comment gâcher une bonne couverture? Mais des fois, j'ai plus vite que toi. Je pense qu'elle ralentit pour le final. Wow, you can really run. I have to keep in shape. Yeah, me too. Wait, you do this for fun? Yes. Well, what else do you do for fun? Are you coming on to me? Yeah. Is that okay? Yes, it's fine. I like it. Wait, let me show you something. Really? I've been thinking about this for a while. Let's do it. Bah ouais, je suis pas sûr que je les aurais eu autrement en fait, les coffres et les machins. Les vrais durs ne chantent pas. Comment ça? Je ne suis pas d'accord, allons voir. Rapide le way. Et on peut pas tout avoir, hein. Monsieur Lee, il vous faut une bonne couverture. Attends. Je sais ce qu'il nous faut. Désolé, je t'ai réveillé tout le monde, j'oublie à chaque fois que le son est trop fort. Bah tiens, Cyndi Lauper. Libre de droit. Musique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube n'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Je voulais faire un 0% moi. Petit monsieur qui pleure. Retour micro bugué, comment ça?
Mince. Il y a de temps en temps que je me rate pas, c'est dommage. Je l'ai lâché trop tôt. Alors, tout pas mal dans mon casque, je puisse m'entendre malgré la mousse qui entoure, mais dans mon casque, c'est trop fort, ça peut faire un effet de larcène comme là. D'accord. Ok. Victorious, j'ai fait 1%. Ça va, il est content? Nouvelle chanson de karaoké, yeah baby, vas-y. On va se les faire maintenant pour de vrai. Oh! D'accord. Vas-y, on se les fait toutes. On va voir comment chanter, ça doit faire bizarre. Bon, on se refait la même, j'aurais pu en choisir une autre, mais maintenant on les a toutes. Comme ça, on les finit toutes et c'est réglé. On a un super partout et c'est bon. La rediffusion commence à être longue. Moi, j'aurais pas 100%. Pas du tout. C'était bien nul, Zadie. C'était bien nul, Monsieur Iti. Bravo. Ça reste correct, suivant. Cyndi Lauper, ça je connais. On va striker sur YouTube. Allez hop, c'est parti. Quelques erreurs. On sera toujours dans les 90%, mais c'est pas grave. Ah, si, c'est grave. Oh, IT. IT, concentre-toi un petit peu.
Ça m'endort de faire ça. C'est bon. Normalement, on a pas même 90%. Ah, mais c'est pas fini? Je fais n'importe quoi. Non, pas mauvais, c'est faux, je peux pas être mauvais, c'est interdit. C'est Marcus, il me déconcentre, il fait exprès. Ça y est, c'est fini cette fois-ci. Allez, on fait la dernière pour voir un petit peu. Je sais pas s'il faut un 100% pour tous. Allez, c'est parti. Elle est pas facile. Ou alors c'est moi qui suis complètement nul, mais c'est possible, hein. Même. C'est une note qu'il faut tenir, je pense. Sert quoi, d'hélium? Une catastrophe. Vous me laissez chanter par les voisins, oui, je comprends. J'ai l'impression que je vais être juste quand même pour le 90%. Ce qui aurait été trop cool, c'est que... Ah, elle a la canette dans le... elle a la canette dans le coude. Elle m'a perturbé, elle derrière, je pense qu'elle l'a fait exprès. Super, j'ai eu un super. J'ai eu un super, dites-moi que c'est bon. Succès, Starlac du karaoké, 96%, ça on était large, tu vois. J'obtenais au moins 90% toutes les chansons, les stars. Ça apporte un bonus? Aucun, bien sûr. Aucun, à part un succès. Voilà, je suis dégoûté. Je pensais que j'aurais obtenu un petit bonus, un truc qui me dirait, hey, tu sais quoi? T'as géré le pâté. Et même pas. Je crois que je suis déçu, là, maintenant. Oh, cette déception du plus haut point, quand même. Du-dum-du-dum. Il me faut ce jeu. En plus, il est pas bien cher, on va pas se mentir. Talking away. Il y a un chemin au-dessus là. Oh, j'ai la flemme d'aller chercher les coffres. Il est vraiment ma voiture. Voiturier, s'il vous plaît. Les karaokés, c'est le petit plus. Mais je pense que des jeux comme Persona, etc., si ça te, tente, si ça te plaît bien, genre de choses, et multitâches et tout, c'est parfait en fait. Yakuza, je me dis qu'il y a plein de trucs dans ce genre-là. Tu sais que t'as ton histoire, mais t'as plein de mini-activités. Donc c'est pour ça que ça me tentait bien aussi. Mais c'est pas toi que je cherche. Il est où mon livreur?
Ma caisse. J'ai un peu demandé à ce qu'on me livre ma caisse, moi. Talking away. Je sais pas ce que c'est les paroles. Ah, c'est live. Bah voilà, c'est ça, y'a moi. Bon, j'ai quand même 1 million, quoi qu'il arrive, donc c'est bon. Je pense que je suis large. C'est ça. C'est pour ça que j'hésite un peu à me le prendre, quitte à pas faire Yakuza tout de suite. M'acheter le Judgment, si je peux le trouver pour pas trop cher. Ce serait peut-être rigolo de me le faire, un de ces quatre. Peut-être pas tout de suite après Sleeping Dogs, parce que ça va piquer. Défi rapide. Il y a un truc au-dessus, mais j'ai trop la flemme. Collègues, camarades, on est collègues. Laisse tomber, on est collègues. Je peux les semer là, je peux les semer. C'est bon, je les ai semés. Ils ne rechercheront jamais une personne qui roule dans une voiture banalisée de flics. Jamais. Est-ce que je peux aller jusqu'à mon au point que je voulais sauvegarder? Voilà. Je sais plus ce que c'est. Je peux chanter super fun, c'est pas grave. I don't mind you fucking her. It's one of the perks, but she has to understand the consequences if she disappoints me. Are we clear? Of course, Sonny. You're not getting attached, are you? A man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Way, come in, have a drink. You ever fuck some famous pussy, Way? Not yet. Maybe one day. It's a trip, man, let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and and then you do it. There's no other feeling like it. Okay, speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Way do it. You and I have more business to discuss. How about it, Way? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure. You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. You take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Oh, sérieux. Enfin, je joue en VF, mais justement, il me rend curieux aussi. Faudrait que je regarde. Je vais voir. J'avais vu Celti jouer un peu et. Je sais pas si j'apprécierais tout le jeu et je sais pas si vous ennuierez pas devant en fait. Si je devais le faire. A voir. On a fait les jeux quand même plus ennuyeux que ça.
J'ai l'impression de connaître ça. Alors c'est qui cette Vivienne? Vivienne. Who are you? I'm Wei. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why are the bad ones always so good looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Wei. Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speeds? Yeah, absolutely. Oh, le regard. I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? Non, mais on fait pas une course de rue là, non! Elle veut aller où? So what's the deal, Wei? You a gangster like Ricky? He's not a gangster, don't say that. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. No, that's too bad. Recently I've wanted to date a gangster. Well, maybe I'll see if I can find one for you. That would be nice. What's Ricky doing anyways? Why is he too busy? I don't know. Something with Sonny. Sonny? That guy's a creep and a perv. Sorry, baby. It's okay. What? What'd he do? Nothing. But he tried. I was at a party on Wallace Chung's yacht. I was like 16. I got so high. Great party. C'est chiant que ça coupe tout le temps les dialogues. J'essaie de suivre petit à petit, hein, mais bon. That's him. Pull up. Hi, Alex. How are you? Huh. This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? Of this guy? Hey, so Sandra says you like to race. How about it? Now, if you win, I'll let you take the girls home. Wei? I'm not sure how much that's worth. Okay, we race for the girls and 100,000. Sure, I'll take your money too. You racing with the girls in your car? The extra weight will slow you down, idiot. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Think of it as your head start. Je sens que je vais me louper. Je sens que je vais me louper. C'est parti. C'est pas le moment de faire des bêtises. Oh non. Une course qui est pas trop difficile. Mince, dégâts matériels, mes schtroumpfs. Je m'attendais vraiment à être ralenti. Course quand même. Personne à l'arrière, on va pas faire les schtroumpfs, enfin, au volant quand même. Ah, on a semé les flics.
m'attendais pas à ça. Bon, je pense que j'ai largement assez d'avance pour pouvoir terminer la course tranquille. C'est Akina qui me double, voilà. Hop là. Commence à réveiller Hervé. Que dalle. Ça s'est très bien passé. Semer une fois, on pourra les semer deux. Le GG de la Germaine. Quand même bousiller la voiture du monsieur, hein. Et pas qu'un peu. Hop là, on est arrivé. Mais du coup... J'ai gagné 100 000 dollars juste en faisant ça, quoi. Ah oui, si c'est vrai, non, c'est ce qu'on a parlé avec le gars. Mais oui. Le mec, il a perdu 100 000 dollars. T'imagines, tu perds 100 000 dollars comme ça, quoi. C'est violent. Ok, je me suis réveillé, c'est bon. Attends, qu'est-ce qu'il dit le téléphone? Ouais, it's Eliana. I need your help. Yeah, sure, what's going on? My friend Katushka, she's gone missing. Nobody's seen her in a week. Katushka doesn't have a visa, she's illegal. Girls like her go missing all the time, but usually they don't have anywhere to go for help. I'll check it out. Would you? Oh, thank you. Ok. Du coup, j'hésite à appeler Iliana. Non, Sandra. Iliana, c'est elle. Malchance. Il y a des nouveaux jobs de flic. Il y a des trucs qui sont apparus ailleurs sur la carte. Il est quelle heure, là? Il est 6h36. Ça vaut pas le coup de faire autre chose, en fait. Faudra bien qu'à un moment ou à un autre, je reprenne le planning habituel. Nouvelle lueur, c'est ça? Nouvelle lueur, malchance. Ou nouvelle affaire disponible. Le jeu est long quand même, hein. Ça fait combien de temps? Ça fait 16 heures qu'on est dessus à peu près. Bon café, Papo Drave. Ok, ensuite. Yep, bonhomme. Alors, on va où? On va faire le job de flic déjà pour commencer.
à mon avis, rien de très intéressant, mais bon, ce sera déjà ça fait. Au pressing, non! De toute façon, ils ont bien dit que ça ne serait jamais lavable. On dirait, je sais pas. Ça, c'est fait. Je suis riche de chez riche, on est d'accord. Peut-être que j'allais dépenser un peu, y a pas des grosses voitures à acheter ou... Genre, partons faire ça. Bien là. Tu dois faire quoi? Les patates directes, c'est ça. On a un peu la même chose en France aussi, non? The suspect is going to kill. Where's the shooting position? Get in position up above and wait for a go ahead. Just take the shot. I demand you speak to the governor. Il était plus que touché à mon avis, c'est une balle dans la tête, ça doit pas aider. Bien écoutez, mission accomplie encore une fois, prise d'otage 3, fini. En dessous. J'ai un million, je vais voir ce qu'ils ont comme voiture à me proposer. This is one of a kind. Really one of a kind. Il y en a un paquet, hein. J'ai encore des sous, pardonnez-moi. Heureux. J'ai encore des sous. J'ai encore des sous. Oh, je peux pas acheter celle-ci, il me manque des sous.
pour une rêve au voisin. Pourquoi? Allez, vas-y, j'achète aussi. Cette petite musique douce, si douce à nos oreilles. Je parlais de la musique, hein, pas de, du bruit du moteur. C'est bon, il est... j'allais dire, il est pas mort, mais en fait, je commence à avoir un doute. Ma voiture. Totalement à côté, c'est pas grave. C'est bon. Quelqu'un en écoutant... C'est Greg, c'est le nom du musicien? Enfin, du... Ou de la musique, je sais pas. Je retiens pas ce genre de choses, donc je suis désolé, je... Donc, tu pourrais dire que c'est du Beethoven, c'est pareil, je saurais pas te dire. Vous pourriez me raconter n'importe quoi à ce niveau-là. Sur beaucoup de niveaux, en fait. Suivant. Attention vos pieds. Ah, même pas rouler sur le pied, elle a eu la bonne idée de se reculer. Hop, 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 hop. Je tire sur mes collègues. J'ai vu qu'il avait un otage, je me suis dit vas-y, c'est bon. Et un otage, c'est l'ennemi. D'accord. Culture sur 20. Cultivez votre jardin. Pour descendre, pas grave. Tu veux pas que je descende par ici? Ils m'interdisent de descendre par là. Est-ce que c'est pas un, comment dire, un truc qui va à l'opposition de mes droits fondamentaux, etc., etc.? Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Descends. Thank you.
Tu peux accélérer s'il te plaît? Oui. Pardon, le tank. Là, c'est un peu pareil, ils en mettent trop des missions secondaires comme ça. Enfin, trop, je sais pas. En fait, non, parce qu'elles sont pas obligatoires. Donc, c'est comme sur Assassin's Creed Odyssey, en fait. C'est la portière, parfait. Version définitive sur le pass, comment ça, Rio? Sur le pass. Toc, toc. Xbox. Oui, mais du coup, il est pas à 30 euros. S'il est sur le pass, soit tu payes le pass, soit tu payes le jeu. Non? Est-ce que tu aurais vraiment envie de le reposer, sachant que tu l'as déjà fait? Ah, faudrait que je coupe la rediffusion. Allez, c'est parti, coupure de rediff. Toc. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Du moins, à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion sur ce jeu. Faudrait que je me calme parce que je fais que ça en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Coucou l'ermite, comment ça va? Allez hop. À tout de suite les gens. Pum 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 p